Oui, c'est sûr que pour nous, c'est un match quasi parfait. Je pense que tout le monde nous voyait perdant, c'était logique. Hein. On était en 9 matchs, 8 défaites. Mais c'est ce que j'avais dit juste avant, où il fallait pas lâcher. Pour nous, ce soir, c'était un match bonus, parce qu'on avait deux matchs à domicile derrière. Et comme je disais, il y a la vie d'un club, il y a beaucoup de choses derrière pour pas lâcher. Et c'est vrai que cette victoire doit nous faire du bien au niveau de la confiance. Voilà, c'est tout simplement ça. Mais après, faut pas s'enflammer. Mais quand on sort d'un match comme ça, voilà, ça nous rebooste. Je pense qu'avec la situation où on était, quand on prend un but au bout de 40 secondes, on se dit qu'on va passer un match compliqué. Mais après, ce qui est bien, c'est, comme je disais juste avant le match, on est un groupe sain et on n'a pas envie de lâcher. Et on a réagi tout de suite, ça c'est bien, en plus à Lyon, d'avoir mené au score et d'avoir maîtrisé quand même le match et de marquer. Alors on a eu de la réussite, mais la réussite, il faut la provoquer aussi. Donc voilà, c'est un match vraiment très 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 positif pour nous. Maintenant, il ne faut pas s'enflammer, mais on a deux matchs à domicile et là, il va falloir prendre des points pour la course en maintien. Mais on envoie aussi un message à nos concurrents qu'on n'est pas fini et qu'on va se battre jusqu'à la fin. Lyon était un peu en crise, on avait rajouté une couche là. Oui, ça m'embête aussi parce que c'est mon club formateur et je suis toujours leur parcours. C'est sûr qu'ils ont passé une semaine difficile, mais bon, après, comme je dis, nous, on a nos soucis aussi. Donc voilà, nous, je vais me concentrer sur Dijon et c'est vrai que pour nous, c'est vraiment très positif.